Et je vous le disais en titre, la coopération énergétique entre les pays membres de l'OPEP+ et les opportunités d'investissement au menu d'entretien ce matin à Alger entre le secrétaire général de l'OPEP, Haitham El Raïs, et le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui a entamé hier une visite de 3 jours en Algérie, doit être reçu ce dimanche par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le marché des hydrocarbures passe par une multitude de perturbations, comme vous le constatez. Et c'est le rôle de l'organisation de l'OPEP et le but de notre alliance avec les producteurs non-OPEP afin de sauvegarder la stabilité des différents marchés. On œuvre aussi pour préserver l'équilibre entre l'offre et la demande et assurer l'approvisionnement en gaz aux différents marchés mondiaux. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités d'investissement dans les hydrocarbures en Algérie. On a une audience cet après-midi avec Son Excellence le Président de la République pour écouter ses directives et ses conseils concernant notre exercice au sein de l'OPEP ainsi que les futures projections de l'Algérie au sein de l'OPEP et de ses marchés d'hydrocarbures.